lose everything, me nah lose my pride. When you take everything, shame still lay on my side. Me nah run down no dollars and cents. Some I said them have sense, but only now say to no. Think with them brain, just with them pride. Rudy Nirlo, Camélia, 30 ans, agent artistique et agent sportif. J'ai rencontré Nahal Noun du groupe Sartek qui m'a aidé à faire mes débuts dans la musique. Alors j'ai intégré Kiamaron, donc ça m'a aidé à faire des projets avec cette association. Et par la suite, je suis devenu agent artistique. Alors ça fait un an et demi que je suis agent artistique et moins d'un mois agent sportif. Donc mon actif MC Lyric, Yongjin, Exa, Lucie et Lucie Ignace, championne du monde de karaté. Alors actuellement, je travaille avec DJ Emric, c'est notre DJ officiel qui nous aide beaucoup sur les scènes, et DJ Seb qui nous aide au niveau de la production, les enregistrements des sons et des scènes. Jongler avec ces deux métiers est très compliqué, d'autant plus qu'il faut que je m'investisse dans mes études pour être infirmier. Et m'occuper des artistes, ça demande du temps, de l'énergie, donc ça prend énormément de temps. Le doute, il est constamment présent, car il faut être solide. Et oui, j'y ai pensé d'arrêter. Mais les objectifs que j'ai mis en place, j'aimerais les atteindre. Donc j'ai des artistes assez costauds qui m'aident aussi pour remonter la pente. Et je peux compter sur eux. Mes artistes, ils comptent beaucoup pour moi. Je les considère comme des membres de ma famille. Moi, j'ai une devise, c'est qui veut peut. Et donc, je me mets cet objectif pour avancer. En perspective de carrière, moi j'aimerais être infirmier libéral et pourquoi pas plus tard ouvrir une maison de production. Alors privilégier un métier, non je pense pas, car c'est la musique, c'est ma passion et j'ai trouvé mon équilibre, donc je vais le continuer. Bonjour, je m'appelle Imakab Didier, j'ai 26 ans et je suis originaire de Saint-Denis. Je suis passionné par la musique depuis mon plus jeune âge. J'ai commencé par le piano que j'ai étudié pendant 5 ans. Puis j'ai commencé à écrire mes premiers textes au collège et composer mes premières prods au collège aussi. J'ai monté donc une association Loi 1901 à Béziers afin de pouvoir promouvoir un peu ma musique et commencer à essayer de faire des scènes, vu qu'en étant jeune, on va dire jeune dans le domaine, il n'était pas évident de se faire connaître, se faire entendre. À la fin de mes études, j'ai voulu persister dans le domaine musical. Donc pour cela, j'ai voulu me diversifier dans mes activités afin de proposer plusieurs services en photographie, en vidéo, en images. Sachant que voilà, la musique ne paye pas forcément directement, donc c'est un moyen pour moi de tenir le coup et de vivre au jour le jour. Pendant les trois premières années de la création de la société, on a monté divers projets qui nous a permis donc d'apparaître dans différents médias. Donc, un reportage donc, dans le portrait de Nancy Logan pour Energy 12 lors de la Star Academy. On est passé sur Exo FM, on avait une émission aussi sur Creol FM pendant un an. Les premières années ont pas été évidentes, donc il a fallu à un moment donné faire un petit stand-by. Et donc j'ai dû aller travailler pendant un an à peu près en tant que conseiller bancaire. Actuellement on travaille donc sur deux projets, une mixtape et une compilation. Donc la première, la mixtape, ce sera, on va dire aussi, comme une compilation, on va dire, de 15 titres qui sera distribuée sur Internet. Ce qui serait important pour moi dans le milieu, ce serait d'être reconnu un jour par le monde de la musique, justement, et de ramener un titre à La Réunion pour les Réunionnais, un disque d'or, un disque de platine ou autre. Le conseil que je pourrais donner aux jeunes, ce serait de ne pas lâcher les études, puisque c'est grâce aux études que je peux mener mes projets comme je les mène actuellement.